réécrire chaque fraction avec un dénominateur égal à 10. Donc on a ces fractions-là, 3 cinquièmes et 7 demi, et le fait de les réécrire toutes les deux avec un dénominateur égal à 10, ça veut dire qu'en fait on va les mettre toutes les deux au même dénominateur. Alors on va déjà s'occuper de celle-ci, 3 cinquièmes, et on va essayer de visualiser un petit peu ce qu'elle représente, cette fraction. Donc je vais faire un rectangle, ça je pense que tu as l'habitude, un rectangle qu'on va considérer comme 1, c'est une unité. Quand je dis 3 sur 5, c'est 3 cinquièmes, donc je parle en cinquièmes, et donc je vais diviser mon rectangle en 5 parties. Alors je vais essayer de découper ce rectangle en 5 parties égales, donc je vais faire ça à peu près, donc une partie, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est pas très très bien fait, mais il faut imaginer que c'est c'est 5 parties égales. Donc chaque partie ici représente 1 cinquième, puisque j'ai 1 divisé par 5. Donc chaque partie c'est 1 cinquième. Et si je veux représenter ma fraction 3 cinquièmes, 3 sur 5 c'est 3 cinquièmes, eh je vais colorier 3 parties sur ces 5. Donc j'ai une première partie là, ça c'est 1 cinquième. Une deuxième, donc là j'ai colorié 2 cinquièmes. Et puis une troisième partie, donc là j'ai colorié 3 cinquièmes. Et maintenant, on doit réécrire cette fraction-là avec un dénominateur égal à 10. Autrement dit, au lieu de parler en cinquième, on va vouloir parler en dixième. Mettre comme dénominateur le, le nombre 10, ça veut dire qu'on va parler en dixième. Alors comment est-ce que je peux ici parler en dixième Eh bien, en fait, j'ai cinq parties. Si je veux en avoir dix, ce que je peux faire, c'est tout simplement découper toutes les parties en deux. Donc je découpe la première partie en deux, la deuxième aussi. La troisième aussi, la quatrième aussi et la cinquième aussi. Et là j'ai, si tu comptes, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Donc chaque petite partie ici représente un dixième. Et du coup ma fraction 3 cinquièmes, qui est la partie colorée en verte, et eh bien en fait je peux compter combien de dixièmes elle représente. Hein. J'ai un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes, cinq dixièmes, six dixièmes. Donc ma fraction. Quand je l'exprime en dixièmes, et eh bien en fait c'est 6 dixièmes. Donc 3 cinquièmes, c'est égal à 6 dixièmes. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ici, ce que j'ai fait en fait, j'ai découpé chaque partie, chaque cinquième en deux parties. Donc j'ai multiplié par 2 le dénominateur, puisque j'ai deux fois plus de parties. Donc le dénominateur, je l'ai multiplié par 2. Et puis le numérateur, eh bien, je l'ai multiplié par 2 aussi. Numérateur, j'avais trois parties, maintenant j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, donc je l'ai multiplié par deux aussi. Et du coup, je peux dire que 3 cinquièmes est égal à cette fraction-là, 6 dixièmes. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième fraction, 7 demi. Alors je pourrais faire le même travail visuel pour représenter ma fraction 7 demi et essayer ensuite de l'exprimer en dixièmes. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer d'utiliser ce qu'on vient de mettre en, à jour ici. Hein. C'est-à-dire que ici, je veux comme dénominateur, j'avais 2 et je veux 10. Je veux donc parler en dixième au lieu de parler en demi. Et pour passer de 2 à 10, donc du dénominateur 2 à dénominateur 10, je peux multiplier par 5. Hein. Donc je multiplie par 5 le dénominateur. Et si on regarde ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on a multiplié par quelque chose le dénominateur, il faut qu'on multiplie par le même nombre le numérateur. Donc ici, le numérateur, je vais l'obtenir en, en prenant 7 et en multipliant 7 par 5. Puisque j'ai multiplié les dénominateurs par 5, je vais multiplier le numérateur aussi par 5. Donc ici, j'ai 7 fois 5. 7 fois 5, c'est égal à 35. Donc finalement, cette fraction-là, 7 demi, elle est égale à 35 dixièmes. Et là, on a terminé, on a mis nos deux fractions, 3 cinquièmes et 7 demi, au même dénominateur avec un dénominateur égal à 10.